Très bien. Bdaou bidnillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le PowerPoint. Voilà, on dit le diaporama. Voilà. Donc, où est-ce qu'on dit le lium, Inch'Allah? On dit l'analyse d'un circuit séquentiel. Donc, en même temps, le cours et nous un exercice de la série, l'exercice 2. Comment analyser un circuit séquentiel avec les étapes. Pour analyser un circuit séquentiel, il suffit de suivre les étapes suivantes. Donc, l'analyse, il y a un circuit, un logigramme. Donc, à partir de ce logigramme, la première étape, trouver les équations des entrées et des bascules. Deuxième étape, trouver les équations des sorties. Troisième étape, établir la table caractéristique. Donc, l'exemple. Quatrième étape, établir la table de transition. Cinquième étape, établir le diagramme des étapes. Et enfin, en déduire le rôle de ce circuit ou bien la séquence générée par ce circuit. Donc, utiliser l'exercice 2 de la série pour expliquer ces étapes. Avec l'exercice 2, soit le circuit séquentiel représenté par le schéma suivant, avec un logigramme, c'est un circuit synchrone, remarquez, le même signal synchronise les trois bascules. Il faut les micros pour que je ne me sente pas. Donc, première question. Donc, il y a déjà les questions liées à l'exercice, sont des étapes de la de l'analyse d'un circuit. Alors, il y a des analyses, il y a des questions, donner les expressions. J'ai remarqué dans le cours, nous avons rappelé comment analyser un circuit. Je vais faire la question 1. Donner les expressions des JK. GA, KA, GB, KB, GC, en fonction des sorties des bascules. Je vais comment analyser un circuit. Je vais la première étape. Trouver les équations des entrées des bascules. Donc, avec la question théorique, il y a la première étape de l'analyse d'un circuit séquentiel. Voilà. Remarquez la deuxième question théorique de l'exercice. Établir la table caractéristique de circuit. Je finis les étapes. Après de trouver les équations des entrées des bascules, trouver les équations des sorties. Je vais les équations des sorties. Remarquez le circuit, mais qu'est-ce des sorties bien. Je vais chercher la question. La troisième étape, établir la table caractéristique. C'est la question. Établir la table caractéristique. En déduire la séquence. Donc, c'est une phase. C'est une. Remarquez. En déduire le rôle ou bien la séquence. Donc, je trouve les questions avec lesquelles l'exercice sont des étapes qui appartiennent à l'analyse d'un circuit. Ah, très bien. Remarquez, le circuit, mais ben, j'ai une sortie. En général, les circuits, tu fais une sortie. Donc, les sorties de ce genre de circuit, ou même les sorties des bascules. Donc, la sortie tanane, ça fait, c'est quoi? QA, QB et QC. Nous avons la résolution. Remarquez l'équation de GA. C'est quoi, à quoi est égal GA, remarquez. Donc, il faut suivre le câblage, remarquez. À quoi est égal GA? C'est que c'est bar. C'est bar. Les entrées des bascules, GB, GA, remarquez GA, KA. À quoi est égal KA? Marqué. C'est QC.
Très bien. Équation suivante de la bascule B, remarquez GB à quoi est égal? Égal QA. GB égale QA. Remarquez KB à quoi est égal? KB égale QA bar. La bascule C, remarquez GC à quoi est égal? UB. Voilà. KC à quoi est égal? UB bar. La question, donner les expressions des entrées des bascules. Donc, c'est une question qui rentre dans l'analyse d'un circuit séquentiel. Très bien, on a terminé la question 1. Question suivante. Établir la table caractéristique et en déduire la séquence. Vidéo la table caractéristique. هنا لي زيكواسيون تاعي اللي هذا سبتوم جي ا كو ايت ايكال كا ا باسكو راح نستعملهم في لي تابليسون دو لا طابل كاركتيرستيك دونك فوالا سي لا طابل كاركتيرستيك ال كونتيان كوا ال كونتيان اون كولون اون غروند كولون بور لي طاب بريزون رمارك لي تروا باسكول كو ا كو بي كو سي دونك لي طاب بريزون لو كان جات عندي une entrée de ce circuit, on va dire une nouvelle colonne de l'entrée de ce circuit. Mais on a une entrée spéciale, donc on dit l'état présent seulement. Deuxième colonne, les entrées des bascules, les JK. Donc on dit trois bascules JK. Et la dernière colonne, c'est l'état suivant, les Q+. Très bien. Donc comment remplir la table caractéristique. Donc, cette table caractéristique est utilisée lors de l'analyse d'un circuit séquentiel. Nous avons dit analyse d'un circuit. Nous avons dit conception d'un circuit, mais nous avons dit la table caractéristique. Très bien. Donc, comment remplir cette table? Donc, commençons par l'état présent, les bascules Tawana. Donc, cette colonne est remplie par toutes les combinaisons possibles. Remarque. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 1. Voilà, c'est la colonne de l'état présent. Elle est remplie par quoi? Toutes les combinaisons possibles. Même le cas dit un entrée dans le circuit, par exemple, le cas dit un X combiné entrée, il y a toutes les combinaisons possibles. Très bien. Deuxième étape. Comment remplir les entrées des bascules? Je vais utiliser les équations qu'on a déjà trouvées dans la question 1. Commençons par exemple par GA. Quoi est égal GA? Est égal QC bar. Donc voilà QC. Donc GA c'est le complément de cette colonne. Donc QC à quoi est égal? Remarquez 0, 1, 0, 1. Donc GA sûrement est égal 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. Parce que GA est égal QC bar. Très bien. Deuxième colonne. KA. À quoi est égal KA? Remarquez l'équation de KA. Est égal QC. AA est égal QC. Et QC à quoi est égal? Selon les combinaisons. Donc 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0. Très bien. Colonne suivante. GB à quoi est égal? QA. GB est égal QA. QA quoi est égal, remarqué, 404. Donc GB est égal 404. KB à quoi est égal QA bar. QA bar. Donc KB à quoi est égal 4140. 4140. Très bien. Colonne suivante, GC, à quoi est égal GC, remarquez, est égal QB, selon l'équation qu'on a déjà trouvée. Donc, GC est égal QB. Remarquez à quoi est égal QB. 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2. Copier
cette colonne 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, remarque. Et la dernière colonne des entrées des bascules, KC à quoi est égal KB bar. Donc KC est égal KB bar. Voilà, QB bar. Donc QB est égal 2-0, 2-1. Donc QB bar, il y a 2-1, 2-0. 2-1, 2-0. Très bien. 2-1, 2-0, 2-1, 2-0. Très bien, j'ai terminé les entrées. Où les micros t'as comme ça. Donc, j'ai terminé les entrées des bascules. J'ai terminé les entrées des bascules. Maintenant, on passe à la colonne de temps suivant. L'état suivant. On calcule l'état suivant. Donc, pour calculer l'état suivant, je vais utiliser la table de vérité d'une bascule GK. Donc, il faut apprendre par cœur les tables de vérité des bascules. Donc, on est en train d'utiliser la bascule GK. Il faut comprendre c'est quoi le rôle de G, c'est quoi le rôle de K. Très bien. Je vais commencer par la sortie QA+. Donc, pour remplir QA+, je vais utiliser ces entrées. Donc, ce sont GA et QA. Et l'état présent qui est QA. Remarquez, je vais lire les combinaisons de GK. Remarquez, 1, 0 dans GK. Cela signifie quoi? 1 de J. J commande quoi? Commande le 1. Donc, c'est une mise à 1. Très bien. Ligne suivante. 0, 1. 1 dans le K. Le K commande quoi? Commande le 0. Donc, c'est une mise à 0. Voilà. 1 dans le J. Mise à 1. 0, 1 dans le K. Mise à 0, etc. Donc, je lis les commandes de GK et je remplis selon ces commandes. Très bien. Colonne suivante. B plus. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser pour QB+, les GK de la bascule B. Très bien. Remarquez, 0, 1. 1, 1 dans le K, c'est quoi? C'est une mise à 0. Mise à 0, mise à 0. 1 dans le G, c'est une mise à 1. Pour les quatre lignes. Bascule suivante, la bascule C. Remarquez, utiliser les entrées de la bascule C. Ce sont les GK de la bascule C. Remarquez, 0, 1, c'est quoi? C'est une mise à 0. Mise à 0. 1, 0, c'est une mise à 1. 0, 1, c'est une mise à 0. Et 1, 0, c'est une mise à 1. Voilà, j'ai terminé la table caractéristique. Question suivante. En déduire la séquence. Donc, pour en déduire la séquence ou bien pour trouver la séquence, je vais tracer un cycle. Voilà, remarquez l'état présent avec une flèche vers l'état suivant. Je vais suivre la manière suivante. Remarquez la table caractéristique. Commençons par exemple par n'importe quel état, puisqu'il n'est le point de départ n'est pas mentionné dans l'exercice, donc je vais utiliser n'importe quel. Je vais commencer par le 0. Remarque. C'est l'état présent. L'état suivant, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Donc, je vais tracer un cycle. Ah, remarquez, 0, 0, une flèche vers le 1, 0, 0.
Très bien. Maintenant, je vais chercher un 0,0 dans l'état présent, parce qu'il devient un état présent et je vais chercher l'état suivant. Remarquez, c'est 1,0,0. Son état suivant, c'est quoi? C'est le 1,1,0. Très bien. Voilà. Deuxième état, le 1, je vais chercher le 1,1,0 dans l'état présent. Très bien, c'est le 1,1,0. Son état suivant, c'est quoi? C'est le 1,1,1. Je vais tracer le 1,1,1. Puis je cherche le 1,1,1 dans l'état présent. Voilà, celui. Son état suivant, c'est quoi? 0,1,1. Je vais tracer ici 0,1,1. Très bien. 0,1,1. Où il est? Voilà, le 0,1,1. Son état suivant, c'est quoi? C'est le 0,0,1. Très bien. L'état suivant de 0,0,1. Où il est? Voilà, 0,0,1. Son état suivant, c'est quoi? C'est 0,0,0. Maintenant, l'état suivant de 0,0,1,1, c'est le 0,0. Donc, un circuit fermé. Voilà. Voilà. C'est la séquence générée par ce circuit. De 0 vers le 4, vers le 6, vers le 7, vers le 3, 1 et 0. Remarquez, l'état 2 n'est pas mentionné dans la séquence. Donc, je peux chercher une autre séquence qui commence par 0,1,0 parce qu'elle n'est pas mentionnée dans ce cycle. Remarquez, 0,1,0. Elle n'est pas mentionnée. Donc, je vais prendre ce point comme un point de départ et je vais chercher est-ce qu'il y a une autre séquence. Donc, remarquez 0,1,0. Quel est son état suivant? Le 1,0,1. Remarquez. Voilà. Et l'état suivant de 1,0,1. Oui, le 1,0,1, c'est ça. Voilà. Son état suivant, c'est 0,1,0. C'est un cycle fermé, c'est un autre cycle. Donc, ce circuit génère deux séquences. Si on commence par un point parmi ces six points, on trouve cette séquence. Et si on commence par deux ou bien par cinq, on trouve cette petite séquence. Très bien. On a terminé cet exercice. Je vais faire un autre exercice. Qui possède une entrée X. Voilà. Un exercice 2 prime. Presque le même principe. Donc, un circuit séquentiel est caractérisé par les fonctions d'entrée. Dans cet exercice, remarquez, il nous a donné les fonctions des entrées. Donc, directement. Les entrées des bascules suivantes, remarquez, on a deux bascules. Une, remarquez, G1 est égal Q2 fois X bar, c'est quoi X? C'est une entrée du circuit. K1, c'est Q2 fois X. La bascule 2, donc remarquez, J2 est égal à X. K2 est égal à Q1 plus X. Les questions, donner la table caractéristique. Déterminer le diagramme des états. Très bien. Donc la table caractéristique. Comment tracer une table caractéristique? Toujours cette table est utilisée dans l'analyse des circuits. Remarquez, elle contient une colonne, contient l'état présent. On a deux bascules, bascule 2 avec le bascule Q1. Une entrée X, donc c'est la première partie. Deuxième partie, les entrées des bascules, on n'a que deux bascules, J2, K1. G1. Et la colonne suivante contient quoi? L'état suivant. Q2 plus, c'est l'état suivant de Q2. Et Q1 plus, l'état suivant de Q1. Très bien. Donc, comment remplir cette table? Donc, Q1, Q2, X sont remplis par toutes les combinaisons possibles. Comme ça, remarquez,
toutes les combinaisons possibles. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1 et 4, 0, 4. L'ordre n'est pas important. Par exemple, pour ceux qui veulent, par exemple, placer le X à gauche, puis Q2, puis Q1. Aucun problème. C'est le même résultat. Donc, moi, je préfère placer ce X ici. Mais les résultats sont les mêmes. Aucun problème. Donc, c'est la première partie. Remplir l'état présent avec l'entrée X par toutes les combinaisons possibles. Deuxième étape, remplir les entrées des bascules J2 selon les équations données dans l'exercice. Remarquez, J2 à quoi est égal? Oui, J2. J2 est égal à X, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 0. K2, à quoi est égal K2? Oui, K2, c'est Q1 plus X. Q1 plus X, très marqué. 0 plus 0. 0, 0 plus 1. 1, 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 1. Parce que c'est un ou. 0 ou 0, c'est un 0. 0 ou 1, c'est un 1, 1. Très bien, j'ai terminé G2, K2. Passons maintenant à G1, K1. Remarquez, G1 à quoi est égal? Égal Q2 fois bien AND X bar. Donc, Q2 AND X bar. Remarquez, Q2 égale 4, 0. Donc, c'est 4 lignes. Donc, G1 est égal Q2, 0 fois X. Donc, est égal 0 dans ces 4 lignes. Parce que remarquez, Q2 égale 0. Bien sûr, 0 fois n'importe quoi égale 0. Remarquez dans cette partie, Q2 est égal 1, donc est égal, 1, donc est égal 1, 0, 0, X bar. Très bien, maintenant on calcule K1, à quoi est égal K1? Q2 fois X. K1 est égal Q2 fois X. Remarquez, dans ces quatre lignes, c'est 0 fois X, donc est égal 0, 4, 0. Dans les quatre lignes suivantes, Q2 fois X. Et Q2 égale 1. Donc, est égal X. C'est-à-dire 0, 1, 0. Bien. Et la dernière étape, c'est calculer les Q+. Selon quoi? Selon les entrées des bascules et l'état présent. Commençons par la bascule numéro 2. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser l'état présent, c'est Q2. Et les entrées de la bascule, G2, K2. Bien sûr, dans ce cas, on utilise la table de vérité qu'on a vue dans le cours de la bascule J. Remarquez, on a dit que J commande le 1, K commande le 0. Et si JK égale 0, 0, c'est-à-dire une mémorisation, c'est-à-dire garder l'état présent, si celui devient, qui devient l'état suivant, si 1, 1, c'est un basculement, inverser l'état présent. Remarque. Commençons par la première ligne. 0, 0. Donc, mémoriser ce 0. Voilà, c'est un 0. Deuxième ligne. 1, 1. Basculer ce 0. Donc, c'est un 1. Troisième ligne. 0, 1. Donc, c'est une mise à 0. Remarquez le 1 dans le cas. Il commande le 0. Donc, c'est un 0. Il commande un 0. 1, 1. Basculer ce 0. Donc, c'est un 1. 0, 0. Mémoriser ce 1. Voilà. 1, 1. Basculer ce 1. Donc, c'est un 0. C'est une commande de 0. C'est un 0. 1, 1. Basculer ce 1. Donc, c'est un 0. Maintenant, passons à la colonne suivante. Q1 plus. Donc, je vais utiliser quoi dans ce cas? Je vais utiliser l'IJK de la bascule 1 et l'état présent de la bascule 1. Donc, selon ces colonnes, je peux remplir Q1 plus, bien sûr, en se basant sur la table de vérité d'une bascule J. Très bien. 0, 0. Cela veut dire quoi? Mémoriser ce 0.
Très bien. 0, 0. Mémorisez ce 0. Très bien. 0, 0. Mémorisez ce 1. Très bien. 0, 0. Mémorisez ce 1. 1, 0. C'est une commande de 1. C'est une 7. C'est une mise à 1. Donc, c'est un 1. 0, 1. C'est une reset. 1, 0, 7. 0, 1, reset. Et comme ça, j'ai terminé le remplissage de la table caractéristique. C'est la première question. C'est une question qui rentre dans l'analyse d'un circuit. Question suivante. Déterminer le diagramme des états. C'est quoi le diagramme des états? C'est un schéma composé des nœuds. Les nœuds sont les états des bascules et des flèches qui donnent un sens. La flèche entre deux nœuds donne le sens d'un état présent et son état suivant. Je vais utiliser la table caractéristique qu'on a déjà établie. J'ai enlevé les entrées des bascules parce qu'elles ne sont pas utilisées pour établir un diagramme des états. Remarquez, je vais lire l'état présent et l'état suivant. Remarquez, par la première ligne, remarquez l'état 0, 0. Si x égale 0, quel est l'état suivant? C'est 0, 0. Donc, une flèche de 0, 0, du nœud 0, 0, vers le même nœud. Parce que, remarquez, l'état présent, c'est celui 0, 0. Donc, remarquez comment je vais tracer cette ligne, le nœud 0, 0, une flèche réflexive qui mène vers le 0, 0. Et au-dessus de la flèche, on écrit les entrées-sorties. Et dans notre cas, on n'a que les entrées X, 0. Donc, on écrit 0. C'est bon. Deuxième ligne, remarquez, le nœud 0, 0, c'est l'état présent. Si X égale 1, son état suivant est égal 1, 0. Comment je vais interpréter cette ligne? Donc, une flèche de 0, 0 vers 1, 0. Remarquez. Une flèche de 0, 0 vers 1, 0. Et au-dessus de la flèche, on écrit X. C'est 1. Ligne suivante. Remarquez, l'état 0, 1. Son état suivant, c'est celui le même, c'est 0, 1. Donc, 0, 1, 0. Une flèche réflexive. Au-dessus de la flèche, on écrit X. À quoi est égal X? 0. Remarque. Ligne suivante. L'état 0, 1, son état suivant, c'est 1, 1. Donc, une flèche de 0, 1 vers le 1, 1. Voilà. Remarque. Et au-dessus de la flèche, on écrit X est égal à 1. Ligne suivante. L'état 1, 0. Son état suivant, c'est 1, 1. L'état 1, 0. Son état suivant, c'est 1, 1. Voilà, une flèche. Et au-dessus de la flèche, on écrit X. C'est 1, 0. Très bien. Ligne suivante. L'état 1, 0. Son suivant, c'est quoi? C'est le 0, 0. Donc, 1, 0. Son suivant, c'est le 0, 0. Et qu'est-ce qu'on écrit dans la flèche? X égale à 1. État suivant. L'état 1, 1. Son état suivant, c'est 0, 1. 1, 1. Son état suivant, c'est 0, 1. Au-dessus de la flèche, on écrit X qui est égal à 0. Très bien. La dernière ligne. L'état 1, 1, son suivant, c'est 0, 0. 1, 1, 1, une flèche vers le 0, 0. Et au-dessus de la flèche, on écrit X qui est égal à 1. Voilà. J'ai terminé la deuxième question et l'analyse. Donc, toujours l'analyse termine par le rôle de circuit ou bien le diagramme des états, ou le cycle des séquences.
Voilà, j'ai terminé la séance. Je ne sais pas ce qu'il y a des questions. Comment on fait? Est-ce qu'on pose des questions, on fait le message ou là, parler, je ne sais pas comment. Écrivez-vous les messages, qu'est-ce que je dis? Monsieur, Oui, on a un j'ai une test, hein? question. Avec, vous avez Oui. publié un exercice YouTube, l'exercice d'analyse d'un circuit asynchrone. Oui. Après, la table a dit que quand on a fait l'état précédent, l'état suivant ou l'état précédent pour chaque étape. Je n'ai pas compris pourquoi. On a toutes les combinaisons possibles. Ouais. Très bien. Donc, un job, on a partagé avec le talion. Job avec la question. Voilà. نعاود لا كيستيون تاع الكوليك تاعكم دونك كي راني ندير اناليز رماركي اناليز دان سيركوي شوفوا مليح بلي سي تان سيركوي سانكرون رماركي تان سيركوي سانكرون في لورلوش لو ميم سينيال اي بارتاجي دون لي تروا باسكول دونك اون اي اون تران داناليزي ان سيركوي سانكرون تري بيان كومون رومبلير لا تابل كاركتيرستيك هي لا كيسيون تاعها كانت هنايا قلت لك علاش درتها توت لي كومبينيزون بوتيك ودي فوا ديرها دير ليتا بريزون هذا بعد حتى تحسب ليتا سويفون تاعو هكذا باغ اكزومبل لقيت ليتا سويفون هو 1 0 0 نجي نحط 1 0 0 هنا ونكمل هذه هي لا كيسيون كانت علاش تري بيان دونك عندنا دو ميثود كي يكون لو سيركوي سانكرون عندي دو ميثود نحب ندير توت لي كومبينيزون بوسيبل ونخدم كيما درنا حنا في ليكزرسيس او بيان سويفر توجور لي بريزون بوي كالكولي سون ايتا سويفون بوي سيت ايتا سويفون دوفيان ايسي كوم ان ايتا بريزون اي كونتينوي دونك جي لي دو شوا اي جو بريفير موا ما ميثود جو بريفير رومبلير توت لي كومبينيزون بوسيبل C'est bon pour aujourd'hui. Pourquoi j'ai rempli? Parce que j'ai les deux possibilités et moi, je préfère la méthode de poser toutes les combinaisons possibles. Dans la vidéo que j'ai déjà partagée, donc dans cette vidéo, j'ai traité le cas d'analyse d'un circuit asynchrone. C'est quoi un circuit asynchrone? Donc, les bascules ne partagent pas le même signal. Donc, des fois, une bascule est synchronisé par le front montant d'une autre bascule. Donc, c'est pour ça j'ai mis l'état suivant, j'ai calculé l'état présent pour trouver l'état suivant et cet état suivant est utilisé comme état présent pour détecter les fronts montants d'une bascule. Parce que comme ça, l'ordre n'est pas respecté. État présent, état suivant. Donc, j'ai toutes les combinaisons possibles. Dans les circuits asynchrones, je respecte l'ordre des états dans la table caractéristique. Pourquoi? Pour détecter les fronts montants et les fronts descendants des bascules, parce que ces fronts montants, ces fronts descendants, des fois, ce sont des signaux d'horloge, d'autres, des signaux de synchronisation d'autres bascules. Je suis là pour vous le message, non? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour cette question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par message ou bien par voix, ma belle.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les messages? La lèche circuit à premier exode, ma canche sortie. J'ai une question. La lèche circuit à premier exode, ma chauffouche circuit. Donc, ma chauffouche sortie. Très bien. Donc, il y a en général, chaque circuit séquentiel possède des entrées et des sorties. Donc, il est les entrées au minimum, il est quand je calme les entrées en moins chauffe l'horloge comme une entrée. Mais là, chaque circuit en moins un dos une entrée ou plusieurs. Donc, il est chauffe le minimum le signal de l'horloge. Très bien. Les sorties, kif kif. Ma cache un circuit ma andouche de sortie. Mais علاش ما يبانلكش داير سيركوي كيما في هذاك ليكزرسيس؟ غنوري لكم باللي صح ما يبانش مرسوم اون سورتي. نعاود نبارطاجي هذاك الفيديو. ها؟ هذا. دونك كي تشوف هكذا سيركوي ما يبانلكش لي سورتي، معناتها لي سورتي دي باسكول معناتها كيو ار كيو بي كيو سي هما لي سورتي دو سو سيركوي. En général, les compteurs, maintenant, ce sont des sorties, mais on a les états des bascules. Donc, on a une sortie, il y a trois bascules. Agda, on a déjà obtenu la question. Donc, parce que lequel un circuit qui ne possède pas des sorties, donc c'est un circuit non utilisé. Voilà. Très bien. Est-ce que l'ordre de la question est-ce que l'ordre de disposition des bascules dans le tableau est important? Ou on pouvait mettre c'est, non, l'ordre est important, bien sûr. Parce que des fois, une bascule, par exemple, dans un compteur, une bascule représente un bit. Donc, le bit de poids faible, le bit de poids fort. Donc, il faut respecter l'ordre, bien sûr. On l'utilise toujours selon le schéma, bien sûr. Donc, c'est important l'ordre, oui. Parce qu'en général, les circuits donnent des nombres, des séquences. Si on change l'ordre, la séquence va être changée. Question suivante. Pourquoi des sorties rahioulou des entrées ta première bascule? Pourquoi? Parce que. Pourquoi des sorties des entrées à première bascule. La question me fait tâche. Question suivante. Est-ce que tu fais des vidéos sur la chaîne YouTube sur les mémoires? Bien sûr, la semaine, Inch'Allah, partagez le chapitre suivant, les mémoires, des cours et exercices corrigés. Question suivante, est-ce que la différence entre la table d'état et la table caractéristique, quelle est la différence? Très bien, la table d'état et la table caractéristique. C'est une bonne question. Donc, faites le cours, on va voir trois tables. La table caractéristique, ok, la table de vérité, bien, ok, la table d'excitation, okay, la table d'état, la table de transition. La table caractéristique, je finis à l'yom déjà, mais je vais vous parler. Je vais vous parler de la table caractéristique. C'est une table qui a. On va voir ici. Voilà. C'est une table qui a. Partagez l'écran. La table caractéristique, je finis à l'yom. La table caractéristique. Je vais la différence entre la table caractéristique. La table transition, il y a la table des états ou la table d'excitation. Donc la table caractéristique, ou le haja, c'est un loha qui connaît une analyse d'un cercle. Très bien. Ou je fais comme colonne. Il y a l'état présent, les entrées, il y a à gauche. Bad fait le milieu, où je joue? Il joue les entrées des bascules. Il joue le milieu. À droite, il joue l'état suivant, la sortie, la quinte bien. Quand il y a un circuit, une sortie, l'air d'une équation. C'est l'ordre.
Ça veut dire qu'il faut une hasbo les je fais l'idée faut hasbo les entrées des bascules بعد بهم نحسبوا لي تصوير l'idée هذه تستعملوا فيها la table de vérité de la bascule. Très bien. Donc on روح la table d'excitation واش ندور تاعها عليك نشوفوا لي بروشان فيديو كي نديروا هذه عليك عليك هاي لا table d'excitation هذه. Très bien. Remarquez la table d'excitation. Déjà, conception. Il y a beaucoup la table caractéristique. Mais la différence, c'est l'ordre des colonnes. Chauffe. L'état présent, X. Mais chauffe la colonne suivante. Où est-ce que j'ai? Il dit directement l'état suivant. But à la fin, les zones basculent. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Donc la table d'excitation هذه نخدموها نكونوا نديروا conception d'un circuit séquentiel synchrone. Elle est basée sur quoi? Remarquez اللي بنخدمتها. Sur la table d'excitation de la bascule. L'autre basée sur la table de vérité de la bascule. Elle est basée sur la table d'excitation de la bascule. Ou chauffe l'ordre des colonnes. Je connais déjà le wool. Il faut suivant باش يجوا لي زونطري دي باسكول. لا طاب كاركتيرستيك واش شفنا اليوم؟ شفنا لي زونطري دي باسكول يجوا هما الاولين بعد بيهم خرجوا لي تصوير. هذه هي لا ديفيرونس. بيان هذه دوزيام طاب اللي شفنا اللي شفناها في الكور راح نشوفها في الاكزرسيس. لا طاب دو ترانزيسيون ولا طاب ديتا ان طاب دو ترانزيسيون هذه فوالا هذه سي اون طاب دو ترانزيسيون ولا طاب ديتا. هذه تستعملها كيما تحب تحب في لا كونسيبسيون ولا اناليز دان سيركوي كيف كيف رماركي ان نو ديبون با دو لا باسكول يوتيليزي دو تيب دو لا باسكول يوتيليزي واش نشوفوا فيها غير لتا بريزون لتا سويفون لي زونطري لي سورتي ما نشوفوش واش من لا باسكول خدمنا بها دونك الي انديبوندونت دو تيب دو باسكول يوتيليزي كالي سون رول واش يديروا بها دونك الي يوتيليزي pour tracer un diagramme des états qui met هذا c'est un diagramme des états on peut utiliser la table transition pour le tracer هذا un cas elle est utilisée aussi pour détecter les états redondants remarquez le F ou G dans cet exercice je trouve que les états répétés redondants en plus donc je les élimine donc avec la table d'état ou la table transition on peut détecter les états redondants. Remarquez les états sont les entrées sont détaillées dans les colonnes. Remarquez l'entrée égale 0, l'entrée égale 1. Donc c'est la table de transition. Elle est utilisée, elle est utilisée lors de l'analyse ou bien lors de la conception d'un circuit, kif kif. Elle ne dépend pas du type de bascule utilisé. On ne trouve pas des informations sur les entrées des bascules. Très bien. Son rôle, elle est utilisée pour tracer le diagramme des états et pour détecter les états redondants. Voilà, on est déjà à la question. C'est la différence entre ces trois tables. Dans quel cas il y a les sorties ou les entrées? Aïe, voilà. Donc, il y a un circuit synchrone. Comme tu veux, tu veux dire les entrées ou les sorties ou tu veux ou bien dire toutes les combinaisons possibles qui m'aident l'IOM. Je préfère ma méthode, dire toutes les combinaisons possibles. Ou que tu laisses me dire les entrées ou les sorties ou l'état présent, qui compte le circuit asynchrone. Je vais dire l'exercice, les remarques, les deux derniers exercices de la série, je vais dire l'analyse du circuit asynchrone. Je vais faire la méthode. Donc, je vais dire simplement, dans quel cas où les sorties, l'état suivant, ou l'état présent, ou les entrées, surtout qui te correct dire analyse d'un circuit asynchrone. Très bien. Question suivante. Pourquoi on a fait deux séquences? Deux séquences qui mettent 2 vers le 5. Donc, c'est une séquence manquante. Si on commence par le 0, 1, 0, donc il y a une séquence, je dis, de 0, 1, 0 vers le 5, le 1, 0, 1. Donc, j'ai cherché toutes les séquences dans la table
caractéristique. Alors, je vais partager la table caractéristique. Remarquez. Voilà, remarquez. J'ai commencé par le 0. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai trouvé 6 états. Donc, il nous manque, deux états. Si on commence par 0, 1, 0, par cette ligne. Remarquez, 0, 1, 0. L'état suivant, c'est 5, 1, 0, 1. Donc, c'est une autre séquence. C'est-à-dire, c'est possible qu'un circuit génère deux séquences différentes. Je connais atteindre la séquence l'exécution. Je connais est-ce que ce sera heavy ou est-ce que ce sera heavy. Ça dépend du point de départ. C'est-à-dire, l'initialisation des bascules, le point de départ. Donc, quand tu dis un point de départ, tu vas te faire un point de départ. لو كان دير ان بوان دو ديبار وحده من هادو تبقى هنايا وما تجيش لهادو سي بون باسكو لي باسكول عندهم دي زونطري دينيسياليزاسيون بور لا بروميير سيكونس باسكو اون جينيرال دائما لو سيركوي ليتا سويفون اي كالكولي اون فونكسيون دو ليتا بريزون اي لا بروميير فوا ما عندناش ليتا اللي قبله دونك لا بروميير سيكونس سي كوا سي الي انيسياليزي بار une commande les hanchoufoum ils se nomment les commandes prioritaires clear ou preset ça veut dire quand initialiser les bascules تاعك بوحده من هادو يبقى يدور لك هنا السيركوي برك لو كانت انيسياليزي وحده من هادو يبقى يدور في هذا السيركوي وباش لهادو très bien j'ai كملت مع لا كيسيون هذه نعاود نولي نشوف لي كيسيون pourquoi on a fait monsieur pouvez-vous expliquer plus mieux l'idée de 0 et 1 ou intendiru 0 ou intendiru 1. Très bien, job. Hadik, on a la dernière question. Bien, Malish. Voilà. Diagramme des états. Hat un nœud, qui est l'état présent. Une flèche vers l'état suivant. Écrit entrée slash sortie. Entrée slash sortie. L'entrée, elle est que nous avons vu. Le circuit m'affiche une sortie bien déterminée, calculée. Nous avons un engin qui me connaît, on a des sorties, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des états de bascule, on a des sorties. Donc, on a un écrit 1, maintenant, quand x égale 1. بعد سلاش غنكتب والو باسكو هذا ليكزيرسيس ما عندناش اون سورتي بيان ديتيرمين سي ليتا دي باسكول اللي راه مكتوبين لداخل لينو هما لي سورتي كيما لي كونتور اون جينيرال لي كونتور دي فوا دي ريجيستر تو لي ريجيستر سيركولار ما تشوفش لا سورتي تشوف ريجيستر يدور هكذاك سيركولار مي لا سورتي بيان سور هو الريجيستر كيما الكونتور كيف تشوف دي باسكول راهم يتبدلوا مي ريزولتا سي كوا ما تشوفش اون فلاش تاع لا سورتي مي الكونتور هما لي باسكول هما اللي يحسبوا Donc c'est bon, donc une flèche, au-dessus de la flèche, nous avons entrée à gauche, slash, sortie à droite. Allez, entrée. Et chaque ligne, nous avons l'entrée. Je vais vous donner le numéro, remarquez, 00 vers 00. Allez, la flèche. Pour la flèche, nous avons 0 slash, allez, 0. On écrit même X, c'est l'entrée. Voilà, j'ai terminé la réponse de cette question. Donne-nous la question suivante. Pourquoi Monsieur, pouvez-vous bien détailler les vidéos du les mémoires? Pouvez-vous bien détailler les vidéos du les mémoires? Oui, dire des vidéos, elle a les mémoires ou des exercices correct, Inch'Allah. Bien sûr. Dites-nous sur YouTube, je vais vous donner un FWITEX. Zid, question suivante. C'est une question, table caractéristique, entrée, sortie, état présent, état futur.
Des questions. Oui, justement. جوستومون هضر معايا الصباح ديليغي تاع لا سيكسيون، مال فين ديرو لي زونسيون كامل اللي خلوكم ولا كاين وكاين؟ باش دوك انا واش ندير؟ قلت هضر معايا الصباح الديليغي تاعكم، قلت له سجلوها باش ما تروح لكمش، سجلتوها. قلت دوك نبعث ميل للريسبونسابل تاع هذا الموديول على لا سيري، اسك باسكو انا حلينا من هذه زيكزارسيس لا سيري، نشوف رايها واش تقولي. الا قالت لي خليهم يبارطاجوا خليهم، سينو ما نديروش، على حسب باسكو عند الريسبونسابل هي اللي لازم تمدي هذا اليوم العشيه. نرجع لك بالخبر، نرجع له الوسم الديليغي اللي عندي، الميل تاعو الميساجين هكذا. اليوم كيف كيف دونك نبعث لكم بيان سور، كي نجاوبكم نعطي لكم كلش. وما انا نزيد الى عطات لي اوكي باش نخليكم، ما انا نزيد نبارطاجي فلاشان تاعي هذا، نعاود نونجستريه من ا زيرو ونعاود نبارطاجيه، صافي يولي عندكم دو فيرسيون. ما زيد دي كيستيون نقرا من الفيشي وين نبعثو لكم بيان سور. راني على حساب شوف خلاص ولا كيستيون، ما لا بروشان فوا ان شاء الله نسيو نديرو دو سيونس بار سيمانه هكذا باش نمشي شويه. هاد لا ميثود عجبتكم؟ باش اسك ميم حاجه ما عجبتكمش لا ميثود ولا كتبوا لي، ما راش ريماركي مايش ندير الكور هكذاك وحدو، راني نسيي نحل لي زيكزارسيس ونكسبليكي مليح الكور. نتوما واش لازم تراجعوا، مليح لي باسكول سورتو طابل دو فيريتي سورتو طابل ديكسيتاسيون، هادو لازم تكونوا حافظينهم تاع كاتب. المره الجايه ان شاء الله نديروا اناليز كونسيبسيون دان سيركوي سينكرون، نديروا ليكزارسيس 3 هاوليك مليح، ليكزارسيس 3 سي سي بوسيبل 3 ولا 4 تري بيان. ديجا كنت درت غير ما كونسيبسيون دان سيركوي افيك ريدكسيون ديتا، راح ندير اكزرسيس شبه له. دونك شوفوا هذاك الفيديو باش تجيكم ساهله خدمه، ومن بعد نزيد ندير. Monsieur, j'ai pas bien compris la table d'excitation. La table d'excitation, elle est. Ryan, voilà, je n'ai pas besoin de la table d'excitation. Mais allez, je dirais, où est-ce que la table? Je dirais la table d'excitation, c'est Jika. Où est-ce que je vais te faire ça? Alors, je dirais rapidement. نسي نبارطاجي يعني كتبوا معايا كيفاش تحفظوا لا طابل ديكسيتاسيون. نبداو بلا طابل دو، انا خدمت على الجيكا ها فوالا. باسكول جيكا فوالا، دير طابل دو فيريتي تحت، هايلي طابل دو فيريتي، ترسم ان طابل، واش دير فيها؟ دير فيها ان كولون بور لي جيكا عليك ليطا بريزون ودير ليطا سويفون فوالا. دونك هنا واش نحط؟ نحط جي، هنا نحط الكا، هنايا الكي، هنا كي بلس فوالا.
Voilà, هذه هي طابل دو فيريتي. بعد نبداو رومبليساج. توت لي كومبينيزون بوسيبل. دونك كي تكون 0 0 0 تقرا لي كا هادو. دونك 0 0 سي كوا؟ سي اون ميموريزاسيون. ميموريزي لو 0. دونك بلوس اكوا ايغال سي ان 0. تري بيان. دوزيام كا 0 0 avec 1. Donc mémoriser le Q. C'est quoi le Q? C'est un 1. Donc l'état suivant, c'est un 1. L'état suivant, c'est 0, 1, 0. C'est quoi 0, 1 remarqué dans le JK? C'est la table de vérité. Hein? Donc c'est une reset. C'est une mise à 0. Donc une hat 0. L'état suivant, 0, 1, 1. كيف كيف 0 1 في جي كا سي اون ريسيت سي اون ميزا 0 ما تهمنيش الكوب اللي راهي 1 باسكو سي اون ريسيت لي طاس سويفون 1 0 0 ريماركي 1 0 في جي كا سي اون سيت سي اون ميزا 1 نحط 1 هنايا تري بيان لي طاس سويفون سي 1 1 0 1 ريماركي 1 0 في جي كا سي اون ميزا 1 سي تا 1 L'état avant-dernier, c'est 1, 1, 0. C'est un basculement. Donc, changer l'état de Q. Donc, 0 devient quoi? Devient 1, 1. Très bien. Le dernier état, 1, 1, 1. Remarquez, 1, 1 dans JK, c'est un basculement. Inverser l'état de Q qui est 1. Donc, vous voulez 1, 0. Donc, c'est la table de vérité de la bascule JK. Donc, on dit la table d'excitation. Donc, nous utilisons la table de vérité pour établir la table d'excitation. Bien. Aussi, j'ai fait la table d'excitation un tableau. Voilà. Avec une colonne, j'ai fait Q. Une autre colonne, j'ai fait Q+. Bad. Devinez où sont les JK. Très bien. Donc, هذه نحطو فيها Q. هذه Q+. بعد devinez où sont les J et les K. كيف كيف donc هذه المرة هذه les deux colonnes ندير لهم toutes les combinaisons possibles. Donc 0 0 0 1 1 0, 1, 1. Voilà, très bien. Là, on va chauffer 0, 0. On va voir les JK équivalents. Remarquez, on a 0, on va dire 0. C'est le cas. Est-ce qu'il y a un cas d'autre? Donc, 0, 0, les JK équivalents, c'est quoi? C'est 0, 0 JK. Donc, on a dit 0, 0. Est-ce qu'il y a un 0, 0 ou un autre? A ou l'ik. De 0, l'état suivant, 0. C'est ça. Les JK équivalents, c'est 0, 1. Très bien. Ça veut dire, c'est 0, J, ou le cas, puisque tu peux dire, on dit X. Ça veut dire, je vais dire, JK, on dit 0, X. Très bien. On va à l'état suivant. كانت 0 ولات 1 رماركي نحوس هنايا في كيو كيو بلس رماركي هي هذه هاي اللي كانت 0 ولات اس كاين ايطا واحد اخر 0 1 دونك هاد لي دو زيطا هادو دونك لي جي كا تاعهم هما 1 0 مع 1 1 واش نقراهم 1 اكس باسكو رماركي الكا تبدلت دونك هادي 1 اكس تنكتب هنايا 1 اكس Très bien. L'état suivant. 1, puis 0. 1, 0. On peut faire la table de vitesse et remarquer qu'il y a ça. 1, tous les 0. 1, tous les 0. On va dire qu'on a un JK équivalent. Remarquez. 1, 0, 1, 1. On a. Voilà. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1. C'est un X1. Donc, on a dit X1. La dernière ligne, 1, 1, 1, 1, il y a
هذه هي 1 est-ce qu'il y a une autre 1 voilà 1 donc l'ij k équivalent à 0 0 ou bien 1 0 donc c'est un x 0 c'est un x 0 la table d'excitation est indispensable tu dois savoir ça pour pouvoir dire la prochaine fois la séance prochaine dire conception d'un circuit لازم تكون تعرف لا طابل ديكسيتاسيون شوف est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai bien compris très bien si vous avez la question si vous avez ce que tu as واش بيه si vous pouvez des questions خلاص نحبسوا لا فيديو هيا واحد يكتب اوكي باش نحبسه طيب يا خرج